Comment vous est venue cette idée de créer des vêtements? Alors, comment ça m'est venu? À la base, je voulais être paysagiste et il n'y avait pas de place dans l'école, donc je me suis dirigée vers les métiers de couture et finalement, ça a été ma voie. Donc, j'ai trouvé que, enfin, mon esthétique s'est développée dans cette partie-là et c'est pour ça que je me suis mise à créer des vêtements pour les femmes. Pour quelle matière avez-vous le plus grand faible et pourquoi? Alors, pour quelle matière j'ai le plus grand faible? Je dirais la soie, tout ce qui est matière fluide, vaporeuse, parce que j'aime bien la travailler pour faire des plis, des volants, et c'est une matière qui se prête à ça. Et j'aime aussi voir aussi quand on a un jeu devant, la robe bouger. Donc, c'est vraiment mes matières préférées. Quel type de client avez-vous? J'ai plusieurs morphologies, donc j'habille n'importe quelle personne, que ça soit de la personne qui n'a pas beaucoup de poids ou la personne qui a des rondeurs, je dirais, des formes généreuses. Toutes les clientes, mon but c'est vraiment de rendre la femme élégante. Créez-vous autre chose que des vêtements ? Oui, je crée autre chose que des vêtements, donc je fais tout ce qui est ameublement, décoration d'intérieur, parce que j'ai eu la chance de me retrouver dans un magasin de décoration et j'ai appris sur le tas et c'est une partie importante aussi de mon activité. Quels sont vos rêves? Mes rêves, j'en ai déjà réalisé plusieurs. Donc ce que j'aimerais là, ça serait que ma marque Margecil soit vraiment reconnue, connue, et ne faire que de la création. Voilà, ça serait vraiment super. Keep on moving forward.
sensation.